Oh, my man, ça me fait rire. Ouais, c'était chaud hier à Bobo. Abidjan risque. Eh oui, oui. Abidjan risque. Risque, risque. À Bobo risque. À Bobo risque. A risqué, a risqué, a bobo a risqué, a bobo a risqué, pour si c'est bas Congo, a bobo a risqué, a risqué, a risqué, a bobo a risqué. Sera un police municipale de bas Congo, zéro, a bobo a risqué. A risqué, à risqué, à bobo est risqué. À bobo est risqué, risqué, à risqué. À bobo est risqué. À risqué, à risqué. À Abidjan est risqué. À bobo est plus risqué qu'à Abidjan. À bobo est risqué, risqué, à risqué. A bobo est risqué, ça c'est la nouvelle chanson ça. A bobo est risqué, ça là-bas il y a un garçon. Big up au ferrailleur d'Abobo, big up à vous. C'est ça. C'est ce qu'on vous demande. On va pleuvoir. Ibrahima Karamoko. A bobo est risqué. Big up au ferrailleur d'Abobo, c'est là-bas il y a un garçon. Ah, il est venu casser maison, de, casser business des gens. Abobo est risqué, à risqué, à risqué. Abobo est risqué, risqué, à risqué. Abobo est risqué, à risqué, à risqué. Abobo est risqué. C'est là-bas, il y a garçon. Garçon avec gros testicule. C'est à Bobo, il y a garçon. Ah! Et là, ça s'amuse, quoi. Ah, Bobo est risqué. Ça, c'est la nouvelle chanson maintenant. Ah, Bobo est risqué. Ah, risqué. Ah, risqué. Ah, Bobo est risqué. Ah, Bobo est risqué. Risqué, ah, risqué. Voilà. L'opposé a dit, sois salué. Ozoanya, sois salué. Voilà, c'est la nouvelle chanson maintenant. Voilà, quand on se réveille, là, à Bobo est risqué, à risqué, à risqué, à Bobo est risqué. À Bobo est risqué pour bas Congo. À Bobo est risqué. Voilà. C'est pas dans tous les quartiers on va casser, on casse les trucs des gens, les business des gens. Et puis les gens sont là, ils les regardent. C'est à Bobo, il y a un garçon. Il y a le RHDP là, ils ont oublié. Ils ont oublié à Bobo. Commando invisible, ils ont oublié cette affaire là. Ils ont oublié commando invisible. Les microbes là, microbes qu'on voit aujourd'hui là. Les microbes là, ça a commencé à Bobo. Microbe, quand on dit microbe à Abidjan, là, c'est à Bobo, ça a commencé. À Bobo, là, tu t'amuses, là, tu dors. Tu dors. Ils s'en foutent. Voilà. Là-bas, ils ont les cailloux. C'est le siège
C'est le siège du commando invisible. Et des microbes. Là-bas, là, ils prennent cailloux. Ils prennent bois. Ils prennent machette. Et puis, ils affrontent la police. Et ça, on dit garçon. Les ferrailleurs. Bakongo, zéro. Abidjan a risqué, a risqué, a risqué. A Bobo a risqué. Oui, oui. Il va tuer les gens. A Bobo a risqué. Ça, c'est la nouvelle chanson maintenant. A Bobo a risqué. A risqué, a risqué. A Bobo a risqué. A risqué, a risqué. Ah, Bobo est risqué. Voilà. Voilà. Ah, Bobo est risqué, a risqué, a risqué. Ah, Bobo est risqué. La chanson disait Abidjan est risqué. Non, c'est pas Abidjan. C'est Ah, Bobo est risqué, risqué, a risqué. Ah, Bobo est risqué. Ah, Bobo est risqué, a risqué, a risqué. Ah, Bobo est risqué. C'est là-bas, il y a garçon. Garçon a un gros testicule. C'est un bobo. Elle ne s'amuse pas. Elle ne s'amuse pas. Elle ne s'amuse pas. Elle ne s'amuse pas. C'est ce qu'on demande. Quelqu'un, tu vas venir casser ton magasin. On va venir casser ta maison. Sois salué ma partenaire. On va venir casser ta maison. Mais il faut sortir. Il n'y a plus rien derrière. S'ils ont cassé ta maison là, s'ils ont cassé ton magasin là, tu n'as plus rien dans la vie. Donc, à Bobo est risqué, à risqué, à risqué. À Bobo est risqué. À Bobo est risqué. Pour Bas Congo, le singe. À Bobo est risqué. Voilà. En tout cas, moi, je vous encourage, les petits djoulas de Bobo, je vous encourage. S'ils viennent là, sortez. Sortez massivement. Même quand on dit le mouton. Le mouton n'est pas l'animal le plus bête. Mouton même souvent il donne coup de tête à chose au berger. Souvent il donne coup de pied au berger. Même quand on dit son mouton du RHDP, mais ce sont des hommes. Aïe. Vous allez venir les déguerpir pour les envoyer où, dans un autre coin là-bas. Tout ça là. Et puis pour donner ça aux Libanais. Ils connaissent le secret. Donc ils ne vont pas se laisser faire. Ils savent que c'est pour vendre ça aux Libanais, aux Marocains. Ils savent ça. On dit aux jeunes, si les gens là viennent avec leur caterpillar là, sortez massivement, lancez des cailloux. C'est ce que les jeunes ont fait à Bobo. Lancez-leur des cailloux. Venez avec des machettes, des gourdins. Ils vont fuir. Policier là, c'est qui? Policier là, Darabi là, c'est un être humain. Policier, c'est un être humain. Ah, Bobo là. C'est là-bas, chose est née. Commando invisible. C'est là-bas, commando invisible est né. C'est là-bas, microbe est né. Les microbes là, ça a commencé à Bobo. Donc, ça est dans leur corps. Ça va être dans leur corps. Le combat physique. Là. Ils ont fini à ça. Les gens d'Abobo là. Le combat physique, ils ont fini à ça. Abobo, tu peux casser partout. Mais quand tu vas arriver à Abobo là, tu vas lire l'heure. Oh, regarde le monsieur là, t'es cassé la maison des gens. On regarde le monsieur, il est en train de casser la maison des gens. Et puis, ça ne dit rien. Il va à Jesco, il casse. Et puis, les jeunes sont là, ils sont tranquilles. Il va où encore? Boribana, il casse les maisons des gens. Il va même dans un village ébrié. Dans un village ébrié.
Il va dans un village hébreu, il casse. Et puis les hébreux sont là, ils le regardent. Quelqu'un qui vient casser ma maison, mon magasin, magasin que je prends pour vivre. Mais il n'a plus rien à perdre. Il va me battre avec lui. En tout cas, big up aux jeunes ferrailleurs d'Abobo. Big up à vous. En tout cas, moi, je vous soutiens. Le reste, il m'en fout. Moi, je vous soutiens. Big up à vous. Abidjan est risqué. Abobo est risqué. A risqué, a risqué. Abobo est risqué. Abobo est risqué. Comment tu peux attendre? Je vais changer mon portable un peu. A Bobo est risqué, a risqué, a risqué. A Bobo est risqué. C'est la nouvelle chanson maintenant. Quand on se réveille maintenant, tous les jours, A Bobo est risqué. On peut casser partout, mais c'est pas A Bobo ils vont casser. Ils connaissent sa fin. S'ils s'amusent là, vous allez voir. S'ils s'amusent là, ils vont lire l'heure. Ils vont lire l'heure. Les armes qu'ils ont cachées là, ils vont faire sortir ça tout de suite. Des gens qu'on n'a même pas désarmés. Vous voulez les emmerder. Ils vont aller prendre les armes là tout de suite. Ils vont commencer à tirer aussi. Ils vont commencer à tirer. Il n'y a pas eu désarmement. Hein. Ah oui. N'oubliez pas qu'il n'y a pas eu désarmement en Côte d'Ivoire. Hein. Il n'y a pas eu désarmement en Côte d'Ivoire. On a habillé les rebelles là. On les a habillés en choses. En tenue, en tenue militaire. On dit que ce sont des militaires. Il n'y a pas eu de désarmement, hein. Les armes ont disparu. Attends, je vais me déplacer un peu. Abidjan est risqué, Abobo est risqué, a risqué, a risqué. Abobo est risqué. Abobo est risqué, a risqué, a risqué. Ah, Bobo est risqué. Casser les maisons des gens. Casser les business des gens, les magasins des gens. Vous ne créez pas d'emploi, vous cassez tout. Pour qu'Abidjan soit joli. Hein? Abidjan sera jamais joli comme Londres. Abidjan ne va jamais arriver au niveau de Londres. Casser les maisons des gens. Même village, même on casse. À jamais village. Un village est brillant, on casse. On casse. On casse. Attendez, je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer un village dans la commune, ici. Un village. Ils n'ont rien cassé, mais ils ont modernisé le village. Allez, je vais vous montrer. Wadon, on appelle le quartier la Wadon. C'est un village. Il fait partie de la commune. Ça n'a pas été cassé, ça a été modernisé. Allez, je vais vous montrer. On ne casse pas les villages. Un village, on ne le casse pas. Parce que les touristes peuvent venir regarder le village. Attendez, je vais vous montrer. Regardez là-bas. C'est un pont. Ça, là-bas, c'est un pont. C'est un pont qui est là. Voilà le pont. Même le changeur là-bas. Voilà le village. Voilà Wadon. Ça, c'est un village. Qui a été modernisé. Ça, là-bas, le quartier qui est là-bas, là, c'est un village ajouté à la commune. Ils n'ont pas cassé. Voilà le pont qui est là-bas. Voilà le pont. Pont. Il y a des habitations à côté. Voilà le pont. Voilà le village. Le village a été modernisé. Il y a la route qui passe. Voilà le village.
Attendez, je vais m'accrocher. Je vais bien montrer le visage. Voilà le pont là-bas. Au fond là-bas, c'est un pont, un échangeur. Voilà un village. Ça, c'est un village. Ce quartier-là est un village ajouté à la commune. Ça, c'est un village. Attendez, je vais bien. Ça, c'est un village. Ça, c'est un village. C'est un village de la commune. Ils n'ont pas eu besoin de casser. Ils ont seulement modernisé. Ils n'ont pas eu besoin, les Anglais n'ont pas eu besoin de casser le village, de casser les maisons pour mettre le pont. Voilà le pont là-bas. Le pont est là-bas. Le pont, il est là-bas, de l'autre côté là-bas, de la rue. Voilà le village. Ça, c'est un village. Ça, c'est un village. Dans la commune. C'est un village dans la commune de Croydon. Voilà. Regardez les maisons. Tu vois que c'est des vieilles maisons. Voilà. C'est un village, ça. Voilà. Ça. Si on veut voir Abidjan, ça c'est l'équivalent des choses d'Abou. Voilà. Chez les Adjoukou. Voilà un village. Voilà. Ça c'est un village. Quand tu regardes les maisons, tu vois que les maisons sont vieilles. C'est des vieilles maisons. Modernisées. Voilà. Un village. Voilà un village. Tu vois les rues même, tu sais que c'est un village qui est là. Quand tu regardes les rues, regarde les rues. Tu sais que c'est un village. Regarde les maisons. Tu sais que c'est un village qui est là. Il y a deux ponts. Il y a un pont qui passe là-bas. Il y a un pont qui passe ici. Voilà. Vous avez vu? On va casser. C'est pour moderniser Abidjan. C'est pour développer Abidjan. Il y a une ville qui est plus développée que Londres. C'est un village dans la ville de Londres. Ils n'ont pas eu besoin de casser. Ils ont seulement modernisé le village. Ils ont seulement modernisé. Ils n'ont rien cassé. Voilà. Ils n'ont rien cassé. Rien du tout cassé. Ils n'ont rien cassé. Quand tu regardes même, tu sais que c'est des vieilles maisons. Regarde les maisons. C'est des maisons du Moyen-Âge. Ils ont seulement modernisé. Les gens sont habillés là. Oui, il faut casser. Il faut casser pour moderniser. Vous allez moderniser quoi? Vous allez moderniser quoi? Qu'est-ce que vous allez moderniser à Abidjan là-bas? Vous êtes dans la... comment on appelle ça? Les caniveaux là sont ouverts. Qu'est-ce qui est moderne là-bas? Qu'est-ce qu'il y a de moderne à Abidjan? Et puis on casse les maisons des gens. Abidjan ne sera jamais comme Londres. Abidjan ne sera jamais comme New York. Jamais. Parce qu'on a accusé, au moins 300 ans, 400 ans de retard. Nous les nègres. Vous avez vu, c'est un village qui est là. Ça fait partie de la commune. C'est un village. Quand tu regardes les maisons là, tu sais que c'est des vieilles maisons. Quand tu regardes les maisons, voilà. Ça là, c'est l'histoire de la commune. Quand les touristes arrivent ici, là, c'est ici qu'ils viennent. Ils viennent voir. Parce qu'il faut quand même leur montrer un coin qui est historique. On ne peut pas tout moderniser. Ça, c'est la vieille partie de la commune. Voilà les maisons. Des vieilles maisons fatiguées. Les gens ont laissé ça.
Parce que c'est l'héritage des Anglais. C'est l'héritage des Anglais. On ne modernise pas tout. On ne modernise pas tout. Il n'y a pas plus moderne que les Anglais. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus moderne que les Anglais. Les Anglais, là, c'est eux qui ont créé la démocratie. Démocratie, vous dites, démocratie, démocratie, là. C'est ici, c'est né. Quand c'est quitté en Grèce, là, c'est ici, ça a commencé. Et puis, c'est parti dans les autres pays. La plus vieille démocratie en Europe, là, c'est l'Angleterre. Le plus vieux parlement, là, c'est l'Angleterre. C'est Westminster. Moderniser, on va moderniser, on va moderniser. C'est tout, on modernise. C'est tout, on modernise. Tout est modernisé, tout doit être moderne, on doit casser tout. On casse les maisons des gens, et puis on construit des magasins. Et puis on fait croire aux ébriers qu'ils vont élargir pour que le pont passe là. Et à côté, où ils ont cassé là, ils sont en train de construire des magasins là-bas. On dit aux Ivoiriens que le monsieur, il est en train de vendre votre pays, il est en train de vendre ses terrains, ses maisons qui cassent, ces déguerpissements là, c'est pour donner les terrains aux gens à qui il a vendu les terrains. Les Marocains, les Tunisiens. Voilà, là-bas, là, c'est un pont. Au fond, là-bas, là, c'est un pont. On n'a pas eu besoin de casser les maisons qui sont à côté. Il y a des maisons à côté, de deux côtés de la route, il y a des maisons. Voilà, une vieille église. Oui. Voilà l'église qui est là. Ça, là, c'est, qui connaît la date de ça, de cette église-là? Qui connaît la date de ça? C'est pas tout, on casse. On va casser, on va moderniser. Casser, on va moderniser même. Un village. On casse pas les villages. Un village qui est dans la ville, on casse pas. Il y a un autre village là-bas encore. De l'autre côté là-bas. C'est les villages qu'ils ont laissés, ils ont modernisé seulement. Ils n'ont pas cassé. Pas cassé de notre côté. Patron est en train de vendre, il est en train de vendre les terrains aux Marocains. Vous dites qu'il est en train de moderniser la ville. Devant vos yeux, Patron est en train de vendre le pays. Au lieu de vous soulever pour le chasser, vous êtes là où vous mangez à checker seulement, où vous mangez seulement. Et les conneries seulement qui vous intéressent. La femme de chaque Thiodé a mis sa famille au dehors. Nous, on ne fait quoi à ça? On ne fait rien à ça. C'est un problème familial. On n'en a rien à foutre. Vous êtes en train de casser de maison des gens. Vous parlez de la femme de chaque Thiodé a mis les parents de son mari au dehors. Puis nous, on n'a fait quoi à ça? On s'en fout de ça. C'est un problème familial. Ça nous intéresse. Point. Pendant qu'on entend parler de déguerpissement, ils ont créé un buzz. Ils sont allés, ils ont créé un buzz. La femme de chaque côté, tous les Ivoiriens sont braqués dessus. Pendant ce temps, Ouattara est en train de vendre le pays. La lagune est brillée, appartient au roi du Maroc. La lagune des Ébriers. Il a vendu ça au Maroc. Et les Ivoiriens sont là, ils sont en train de rire. Ils sont dans les bêtises. Ils sont dans les conneries. La femme de chèque qui était a mis ses beaux-parents au dehors. Et puis nous, on a fait quoi à ça? N'importe quoi. C'est un problème familial. Qu'est-ce que ça intéresse les Ivoiriens? Qu'est-ce que ça peut apporter aux Ivoiriens? C'est un problème familial. Si elle a mis ses beaux-parents au dehors, où est leur problème? Où est le problème des Ivoiriens dedans? Qu'est-ce que nous on gagne dedans? Pendant qu'on entend parler des déguerpissements des choses de Gadjamé village, ils ont envoyé un truc.
les clowns de la toile qu'on appelle les influenceurs, là, les blogueurs, là. Ils ont pris ça, ils ont commencé à parler de ça. Tous les Ivoiriens, l'attention des Ivoiriens maintenant, ah, la femme de sexe qui était la médecin, ah, la femme de sexe qui était la médecin, ah, la femme, on connaît même pas, on sait même pas ce qui se passe réellement. Celui-là vient ici dans sa version. Qu'est-ce que ça peut changer dans la vie d'un Ivoirien? Si la femme de Tchouté a mis ses beaux-parents au dehors, qu'est-ce que ça peut bien nous faire? On n'en a rien à foutre, nous. On n'en a rien à foutre. Qu'est-ce que ça peut bien me faire, moi? Qu'est-ce que ça peut me faire? La femme de Cheikh Tchouté a mis ses beaux-parents au dehors. Mais quand mes parents sont malades, là, à Abidjan, là, c'est moi qu'on appelle pour que j'envoie l'argent. Ce n'est pas la femme de Cheikh Tchouté qui me donne l'argent pour que j'envoie l'argent pour qu'on soigne mes parents. Quand mes parents n'ont rien à manger, là, c'est moi-même, je paye mon argent. Je paye, je fais transfert, ouais, c'est non, et puis j'envoie là, et puis les gens mangent. C'est pas la femme de Cheikh Tchouté qui me donne à manger. Ou bien, on parle d'être. On est en train de parler d'un problème sérieux. La femme de Cheikh Tchouté, la femme de Cheikh Tchouté. Tout de la cérémonie à votre affaire de femme de Cheikh Tchouté là. Bande d'imbéciles que vous êtes. On n'en a rien à foutre. Qu'elle aille se faire cuire un œuf. Que ses parents aillent se faire cuire un œuf. On n'en a rien à foutre. Quand ils vivaient là, eux, ils étaient en train de manger l'argent là-bas. Nous, on était là-bas. On mangeait avec eux. Chacun a ses problèmes. Si tes parents, toi, le nègre, si tes parents sont malades, tu penses que c'est... Ils vont venir parler de tes parents. Si ton papa, si ton oncle, ou bien ta tante, ou bien ta mère est morte là, tu penses que les blogueurs là vont venir parler de ça? On n'en a rien à foutre. On s'en fout de ça. Ouattara a tout vendu en Côte d'Ivoire. Il a tout vendu. Au lieu de se focaliser dessus. C'est les bêtises qui nous intéressent. Ça. On va casser. On va moderniser. Qu'est-ce que vous modernisez même? Qu'est-ce que vous modernisez? Qu'est-ce qu'il y a de si moderne à Abidjan là-bas? Il n'y a plus de poussière à Abidjan. Il n'y a plus de poussière. C'est à Bobo et à Casson. Allez-y casser maison des gens à Bobo. Ils vont vous montrer qu'ils étaient dans le commando invisible. Ils vont vous montrer qu'ils étaient dans le commando invisible. Allez-y à Bobo. Ils vous attendent là-bas. C'est là-bas et à Casson. C'est les Ivoiriens qui jouent avec vous. C'est dans quel pays toi tu as cassé maison de quelqu'un et puis lui là et puis dit rien. Mais si tu as cassé maison, tu as cassé une, deux, trois maisons, tu as cassé un quartier, mais ça crée une révolution. Ça crée une révolution. Ça, il y a longtemps, on vous a chassé. Mais pas chez les Ivoiriens. Ce qui les intéresse, c'est les conneries qui les intéressent. C'est des bêtises qui intéressent les Ivoiriens. Ils sont en train de casser les maisons de leurs frères, mais ça ne leur dit rien. Ce qui les intéresse, c'est Cheikh Tchouté et sa femme. Elle a mis ses beaux-parents au dehors. C'est ça là qui doit nous intéresser. Le pays est dans la merde. Il n'y a rien, il n'y a pas de boulot, il n'y a rien. Il n'y a rien en Côte d'Ivoire. Les gens quittent la Côte d'Ivoire comme ce n'est pas permis. Et on nous fait croire que le pays est beau. Quand les gens quittent là-bas, ils disent, oh, Abidjan est joli, Abidjan est beau.
Abidjan, c'est Abidjan, plus joli qu'à Londres. Donc, nous qui sommes à Londres, là, nous, on dit quoi? À Londres, ici, là, Abidjan, à Londres, joli, hein? Tout est tracé, mais les gens se plaignent quand même. Donc, parce que c'est joli, les gens, faut pas que les gens vont se plaindre. Londres est joli, mais les gens se plaignent. Hein? Tous les jours, les gens se plaignent ici. Attendez, essuyez-moi. Ici, là, tout est dur, tout est joli. Là, là, je suis en bas de pont, il y a deux ponts. Un, trois. Il y a trois échangeurs pour relier deux villes, pour relier deux quartiers. Il y a un qui est là. Voilà deuxième. Voilà troisième là-bas. Voilà troisième là-bas. Lui là-bas. Voilà troisième là-bas. Il y a trois échangeurs pour relier ce quartier-là à l'autre quartier qui est là-bas. Mais les gens se plaignent quand même. Ils se plaignent tous les jours. Les Anglais se plaignent tous les jours en France là. Il n'y a pas un pays qui est plus joli que la France. Paris là, il n'y a pas une ville qui est plus jolie que Paris. Mais les Français se plaignent tous les jours. Mais quand on veut parler, non, c'est joli. Non, c'est joli. Regarde, ils ont tracé la route ici. Non. Quand tu arrives à Abidjan, tu arrêtes quoi? Puis tu vois au fond là. Tu vois au fond là. Donc c'est ça qui est bon. C'est ça qui est bon. Donc parce que Ouattara a tracé des routes, il ne faut pas qu'on se plaigne. Parce que Ouattara a tracé des routes, il ne faut plus qu'on se plaigne. C'est ça? Parce que lui, il a fait des routes, parce qu'il a fait des ponts, il ne faut plus que les Ivoiriens se plaignent. Mais vous êtes malade. Ça ne va pas chez vous. Ça ne va pas chez vous. Vous êtes malade. Vous êtes malade. Aux États-Unis, pays le plus développé au monde, les Américains se plaignent tous les jours. Il n'y a pas un pays où il y a plus de ponts qu'aux États-Unis, que dans un autre pays au monde. Les Américains se plaignent tous les jours que Dieu fait. Tous les jours. Tous les jours. Mais Abidjan, il ne faut pas te plaindre. Parce que quand tu veux te plaindre, oh, il a construit, il a fait le pays, il a fait le pays. Il a construit, oui. Il a construit, mais il est venu comment? Il est venu en Côte d'Ivoire comment? Il est arrivé au pouvoir comment? C'est pas par guerre il est arrivé. C'est pas par rébellion il est arrivé. C'est pas par rébellion. Pour que Ouattara soit président, il a fallu plus de 100 000 morts. Les Ouais ont été génocidés. En une journée, à Dioko, ils ont tué 1000 personnes. Mais il y a des Ouais aujourd'hui qui sont avec Ouattara. C'est incroyable. C'est comme si tu disais qu'un juif est avec les Arabes. C'est comme si tu disais qu'un juif est dans Hamas. C'est comme si tu disais qu'un juif est avec les nazis. En une journée, les rebelles de Ouattara ont tué 1000 personnes à Djokoué. Mais il y a des Ouais, il y a des guerriers, il y a des Wobets qui supportent Alassane Ouattara aujourd'hui, qui sont dans le RHDP pour manger. Ils ont besoin de remplir leur ventre. Leur ventre là doit être rempli. Ils ne sont jamais rassasiés. Depuis où faut boigner, les Ivoiriens sont en train de manger. Ils mangent, il faut manger. Il n'y a pas de conviction. Il y a des gens qui étaient pro-Babo, aujourd'hui ils sont au RHDP. Il y a des cyberactivistes qui étaient pro-Babo hier. Aujourd'hui, ils sont au RHDP, ils sont en train de manger. La panse, la politique du ventre, la politique des estomacs. La politique de l'estomac. La politique de la panse. La politique de la faim. La politique alimentaire. Je vais vous montrer le village anglais. Ils n'ont pas détruit le village. Ils ont laissé le village comme ça. Ils ont modernisé le village. Il y a des maisons ici à Londres. Si tu vois les maisons, tu peux pas. Tu peux pas.
voilà des maisons. Ça là, c'est en quelle année ils ont construit ça? C'est en quelle année ils ont construit ça? Mais ça est là encore. Voilà des vieilles maisons qui sont en Londres. C'est en quelle année ils ont construit ça? Mais ça est là encore. Et puis les Anglais aiment ça. Les Anglais aiment même ce qui est traditionnel. Alors, si un Anglais arrive à Abidjan, là, il va regarder où? Il va aller où? On dit, voilà, jamais village. Le village même n'existe plus. Vous avez détruit tout le village. Si un Américain arrive à village, si un Américain arrive à Abidjan, nous, on peut parler de... On peut dire, bon, il y a des villages historiques dans la ville de, dans la ville d'Abidjan. Allez-y, regarde, allez-y voir. Si un Anglais va là-bas, il arrive à Abidjan, ils ont tout détruit. Ouattara, tout détruit. Ouattara, tout détruit. Les touristes là, ils vont regarder quoi? Adjamé Village. Adjamé Village, c'est l'histoire de la ville d'Abidjan. C'est là Abidjan a commencé. Mais tu as détruit tout. Pour construire des magasins à côté. Voilà pont. Voilà les ponts. Il y a des habitations à côté. Il y a des maisons à côté. Voilà pont. Pont qui est là-bas. Pont superposé. Il y a un qui va en haut, il y a un qui passe au-dessus, il y a un qui passe de l'autre côté. Pont, il y a des habitations à côté. Logements sociaux, voilà des logements sociaux. Il y a des maisons qui sont à côté. Il n'y a pas de magasin à côté. Il n'y a pas de magasin à côté. Ce sont des habitations qui sont à côté. Voilà. De l'autre côté là-bas, il y a des maisons, il y a des logements sociaux à côté. Voilà, ça là, c'est un immeuble qui est là, à côté du pont. Ils n'ont pas cassé. Voilà. Ils n'ont pas cassé à côté. Hein. Voilà, pour construire le pont là. Ça fait combien de mètres là? Ça fait combien de mètres? Ils ont fait combien de mètres là? Pont à côté. Voilà. Il y a petite route. Et puis ils ont tracé une petite route pour que les voitures passent. Il y a les logements sociaux qui sont là. Ça là, ce sont des logements sociaux. Cet immeuble là, ce sont des logements sociaux. Allez casser la maison des gens. Allez casser la maison. Mais quand tu veux casser la maison de quelqu'un, il faut le reloger d'abord. Il faut le compenser. Il faut lui donner de l'argent. Il faut trouver un nouveau site. Pour le mettre là-bas et puis maintenant on vient casser. Mais les gens sont dans la maison. On vient casser la maison à 4h du matin. Les ébriers sont en train de dormir et puis on vient casser leur maison. On vient casser. Et le premier ministre, ce singe-là, ce bouffon-là, il est ébrié. Begré Mambé, c'est un ébrié. Ce gars qui est vilain, on dirait un gorille. C'est un ébrié. Il est là et on casse les maisons de ses parents. Et ça ne lui dit rien. Parce qu'il veut manger la nourriture, l'estomac, la politique de l'estomac, la politique alimentaire. Je vais avancer, vous allez voir le pont. Pont, 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 vous avez pont à Abidjan. Pont, venez voir pont à Londres d'ici. Pont, 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 vous avez pont, voilà. Il y a des maisons à côté du pont. Ils ont mis des maisons à côté. Il y a des arbres qui sont là. À côté des ponts même, il y a arbre qui est là. Ils n'ont pas rasé le coin. Ils n'ont pas rasé le coin. Il y a arbre là-bas. Pont même là. Pont même à côté des arbres. Sèche linge là, dans ma main. Voilà, voilà, voilà immeuble, voilà pont. Voilà, quelle est la distance? Vous faites 800 mètres, 800 mètres à gauche, 800 mètres à droite. Voilà, quelle est la distance? Voilà, voilà immeuble, voilà pont. Voilà pont qui est là. Il y a des maisons à côté. Maisons et arbres à côté, boulangers.
C'est à Abidjan là-bas, on vous trompe. Non, pour faire le pont, il faut qu'on casse les maisons des gens. Mais ils n'ont pas eu besoin de casser les maisons des gens. Mais ils ont fait un pont quand même. Pas besoin de casser les maisons des gens. Le pont là, il peut passer en haut. Voilà, le pont qui passe en haut là-bas. Voilà. Il passe en haut. En bas du pont, il y a un parking qui est là, en bas du pont. Nous, là, il fait quoi là-bas? C'est comme ça qu'on traverse la route. Il en vient en costume. Il faut casser tout. Voilà des vieilles maisons. Voilà vieilles maisons. Et puis il y a de nouvelles maisons à côté. Il y a des maisons modernes à côté. Voilà. À côté, il y a des maisons modernes. Et puis il y a des vieilles maisons à côté. Un mélange. Un jour au moins, on doit demander la maison là. C'est en quelle année ils ont construit ça? On doit moderniser, on doit développer le pays. C'est le développement qui est là comme ça. Là. Développement sans création d'emplois. Il n'y a pas de création d'emplois. Les gens sont au chômage. La santé publique, zéro. Il n'y a pas de médicaments dans les hôpitaux. Tout le monde va dans l'infirmerie. Tous les habitants vont dans la clinique privée. Les hôpitaux ne sont pas équipés. Il y a plus de cliniques privées que d'hôpitaux. Les hôpitaux publics ne sont pas équipés. Il n'y a rien dans les hôpitaux. Les gens meurent comme des... Les hôpitaux sont des mouroirs. Les gens meurent comme des cafards dans les hôpitaux. C'est ça là qui est développement là. Développement chez Draman Ouattara, ça veut dire pont. Développement dans sa tête de Burkinabé, là, de Mossi, là, sa bouche tordue là. Ça veut dire pont. Dans son crâne de Burkinabé là. Développement veut dire pont. Développement veut dire route. Route tracée, route goudronnée, c'est ça qui est le développement chez lui. Chez lui, il n'y a pas de développement social. Il n'y a pas de développement des humains. Il n'y a pas de développement humain. Pour lui, là, c'est développement économique. Tout est économique. Mais l'économie, même, ce sont les hommes qui font l'économie. S'il n'y a pas d'hommes là, est-ce qu'il y a l'économie? Ou bien, s'il n'y a pas d'hommes là, est-ce qu'il y a l'économie? La Chine est la deuxième puissance au monde parce qu'elle a beaucoup de... Sa population est nombreuse. Ce sont les hommes qui font le marché. Le marché économique, ce sont les êtres humains qui font le marché économique. Mais il faut mettre les gens à l'aise d'abord avant d'aller tracer les routes. Il n'y a rien, il n'y a pas de boulot, il n'y a rien à Abidjan, rien. Tout ce qui est Abidjan, c'est manger seulement, garba. La nourriture, c'est ça seulement qui est Abidjan. Sinon, à part la nourriture, il n'y a rien à Abidjan. Le coin est sec. C'est moi qui ai dit ça. À part la nourriture, à Abidjan, il n'y a rien. Si tu enlèves la nourriture, là, ce que les gens mangent, là, il n'y a plus rien à Abidjan. Il n'y a rien à Abidjan. Il n'y a pas quelque chose qui peut attirer quelqu'un à Abidjan. Les maisons sont chères. À Abidjan, on dit qu'il y a une maison de 50 millions. Il y a une maison de... 60 millions, il y a besoin de 100 millions, il y a besoin de 200 millions. Tu regardes, ça ressemble à rien. Tu regardes, ça ressemble à rien, ça ressemble à une boîte de sardines. Ouais. Tu regardes les maisons, on dirait une boîte d'allumettes. C'est même pas joli. C'est même pas joli. Les maisons sont même pas belles et puis elles sont chères. J'ai vu les maisons à Abidjan. La maison, on dit, voilà une maison de 20 millions. Voilà une maison de 200 millions. On dit, c'est une maison de 200 millions qu'elle a là. Ceux qui font maison là, c'est les Nigériens. C'est les Anangos qui font maison. On casse tout. On casse tout. On casse tout.
La ville de Londres, c'est des villages. C'est des villages qu'ils ont modernisés. Voilà, c'est des villages qui ont été modernisés et transformés en quartier. C'est des villages. Ça, c'est un village. Ça, c'est un village. Regardez les maisons. C'est des vieilles maisons. C'est un village. Ça, c'est un village. Ça a l'allure d'un village. Ça, c'est un village. Modernisé. Pour faire de ça un quartier. Ils n'ont pas cassé les maisons. C'est des vieilles maisons, ça. C'est ça qui fait la beauté d'une ville. Le moderne et le traditionnel se mélangent. Ça fait la beauté de la ville. Il a fumé drogue jusqu'à... Il est devenu chose... comment on l'appelle Dagina. Poisson sec. Il n'a même pas force. Il fait œuf. Il va tomber tout de suite. Il fumé drogue jusqu'à fatigué. Ça, c'est des vieilles maisons. Ça là, si c'est en Côte d'Ivoire, Ouattara va dire, cassez-moi ça. Cassez-moi ça, c'est des vieilles maisons, ça. Vieille maison moderne. Vieille maison moderne. On casse tout. En tout cas, ça vient un peu. Ça vient un peu. Il dit, un moment va arriver, les Ivoiriens vont dire, bon, Ouattara, soit tu nous tues, soit c'est toi on tue. Ça va arriver, ça c'est 2025. Actuellement, on est en train de faire, actuellement c'est les crampons. Ce qui s'est passé à Bobo là, ça c'est échauffement. Ça c'est échauffement. Imaginez ça dans les plus grands, dans les grandes villes du pays. Il va fuir. Et puis, oui, là, il est prêt à fuir. Hein. Ouattara qui est là. Il est prêt à fuir à tout moment. Il paraît qu'il y a un hélicoptère, celui là-bas, à Assini, dans sa maison. Ils ont mis un hélicoptère là-bas pour fuir, pour aller au Ghana. Tu casses la maison des gens. Tu casses le magasin des gens. Et puis, tu as fait 4 mandats. Attends, devant qui? Toi seul, tu as fait 4 mandats. Dans un pays qui n'est pas ton pays, toi un Burkinabé, tu es assis sur la tête des Ivoiriens. Tu as fait 4 mandats, toi seul. 4. Toi seul, tu es dans 4 mandats. Tu as fait 3e mandat, on n'a rien dit. Parce que quand ça a commencé, tu dis non. Bédier et moi, nous nous sommes mis ensemble, donc c'est moi qui ai gagné. Ok, il n'y a pas de problème. Donc cette fois-ci, Babo dit... Toute l'opposition, on n'a qu'à se rassembler. 28 partis. 28 partis politiques. Avec des gars de la société civile. Contre toi seul. Là, 2027, on va voir comment tu as fait pour gagner. Là, tu ne peux pas dire que tu as gagné. Tu ne pourras pas dire aux Occidentaux que tu as gagné. Ce n'est pas possible. Voilà, c'est ton calcul là, on va suivre. Draman Ouattara, c'est ton calcul là, on va suivre. Ton calcul là. C'est que tu dis que tu as fait toi plus Bédier égale à 2. Babo est seul. Donc 2 et 1, c'est toi qui as gagné. Maintenant là, 28, peut-être ils sont 31 ou bien 32, plus toi seul. Tu ne peux pas gagner l'élection en Côte d'Ivoire. Quelqu'un qui casse maison des gens? On n'a jamais vu ça en Côte d'Ivoire. Depuis que la Côte d'Ivoire a été créée, on n'a jamais vu. Il n'y a pas un président qui a cassé maison de quelqu'un. Il n'y a pas un président de la République qui a cassé magasin de quelqu'un. Mais les gens sont déjà pauvres. Tu t'as cassé leur magasin. Est-ce que tu te rends compte? Est-ce que Draman Ouattara, est-ce que tu te rends compte que tu es un vampire même? Est-ce que tu te rends compte que tu es le Satan même? C'est-à-dire l'incarnation du Satan.
tu es un démon. Mais Alassane Ouattara, c'est un démon. C'est l'incarnation du diable même. C'est le diable qui est là. Il n'a pas pitié. Tu casses le magasin d'un Africain. Un Africain en Afrique. Où il y a la pauvreté. Le pourcentage de pauvreté, c'est moins 60% de pauvreté. Tu casses son magasin. Tu casses son maquis. Tu casses sa maison. Et puis tu t'en as dormi. Et puis il ferme les yeux, ce Burkinabé là, il ferme ses yeux et puis il dort. Sa bouche tordue là, il dort. Il dort. Après avoir cassé la maison de quelqu'un, il dort. Il arrive à fermer ses yeux. C'est un démon qui est là. Mais attends. Quelqu'un qui a tué 100 000 personnes, qui a tué plus de 100 000, sa rébellion a tué plus de 100 000 personnes. Il s'en fout. Il s'en fout. Ceux qui souffrent là, ce n'est pas ses frères. Il n'est pas... Il s'en fout. Il s'en fout. C'est un Burkinabé. Il ne peut pas sentir la douleur des Ivoiriens. Il n'y a pas un président en Côte d'Ivoire qui a fait ça. Ce que Ouattara a fait. Il n'y a pas un président. Oufou Boigny même. Tout puissant Oufou Boigny. Président du PDCI. Président de la République. Oufou n'a jamais cassé la maison de quelqu'un. Jamais. Oufou n'a jamais cassé le magasin de quelqu'un. Jamais. Oufou ne fait pas ça. Bédié n'a jamais fait ça. Gaï n'a jamais fait ça. Babo n'a jamais cassé la maison de quelqu'un. Jamais. Tu t'imagines casser la maison de quelqu'un sans le reloger. Il va dormir où? Ce n'est pas son problème. Ce n'est pas le problème de Ouattara. Il s'en fout de ça. Ce n'est pas le problème de Ouattara. Mais c'est un homme cruel. Ouattara est un homme cruel. C'est un danger public. C'est le Satan même qui est là. Satan. Je suis arrivé dans mon coin. J'espère que la pluie ne va pas tomber. Ah, il faut que je le démonte un peu, ce Burkinabé. Mais c'est un homme cruel. C'est un homme cruel. Il faut que je le démonte un peu. Jusqu'à il s'en va casser même. Il s'en va même casser. Ils sont cassés les business de ces moutons. Les gens à Boubou, ils sont cassés leur maison. À Boubou, ils sont cassés leur business. Toi-même, tes partisans, tu t'en as cassé leur business. On peut comprendre que tu vas à Yopou, on peut comprendre. Mais à Boubou, qui est le siège du... C'est le siège du RHDP. Tous les militants du RHDP, là, ils sont à Bobo. C'est là-bas encore tu vas aller casser. Quand on disait au Djula, là, que lui-là, il n'est pas Djula. Lui-là, il n'est pas du Nord. C'est un Burkinabé. Il s'en fout de vous. Mais ils ne veulent pas comprendre. Eux-mêmes, ils ont vu. Et quand alors? Nigeria. C'est le Nigérien. Le gars, il est en train de monter sa voiture à son ami. Et ça, nous les Africains, on a montré les voitures. Les maisons des gens et puis il arrive à dormir. Mais c'est incroyable ça. Quelqu'un qui a fait les États-Unis, aux États-Unis on casse pas maison comme ça. Il a fait l'université de Pennsylvanie. On casse pas les maisons comme ça. On vient pas dans un quartier et puis on casse les maisons comme ça. Non, c'est des trucs qui prennent au moins 5 ans, 10 ans. On donne l'argent aux gens d'abord. On leur donne l'argent. On les reloge et puis maintenant on vient casser. Et quand ils sont partis maintenant, on vient casser. Mais les gens sont dans le quartier. Ils sont là, ils ont leur maison, ils ont leur magasin, ils ont leur truc dans la maison. Et puis il vient avec son caterpillar, il vient casser.
Et puis il a donné le travail à un, le plus vilain du gouvernement. Quand tu le regardes, on dirait singe. Le plus vilain de tous les ministres de Côte d'Ivoire. Il s'appelle Cissé Bakongo. Un vrai singe. Il est vilain. Tu ne peux pas le regarder deux fois. Il est vilain. Mais il fait des vilaines choses. Il fait des vilaines choses. Vous parlez de développement, vous parlez de villes. Je vous ai montré ville, village dans ma commune. Dans ma commune, il y a village. Village, la pompe passe à côté. Ils n'ont pas détruit le village. Ils ont modernisé le village. Ils n'ont pas eu besoin de casser le village. Je vous ai montré, mais vous avez vu, non? Les maisons qui sont en rond ici, là, si on te montre ça, des vieilles maisons. On ne casse pas. Quand tu veux casser les vieilles maisons, il y a un institut. Un institut qui. C'est ça, non? Institut qui te dit. On ne casse pas les vieilles maisons. Ici à Londres, là, quand tu veux, il y a un coin là. Il y a des gens qui se lèvent pour dire non, c'est des vieilles maisons du Moyen-Âge. On ne casse pas comme ça. En Afrique, on vit, on casse un village. Un village, on casse et puis ça ne va pas quelque part. Ce qui intéresse les Ivoiriens. Oh, la femme de chaque tioté a mis ses beaux parents. Et puis nous, on n'a qu'à faire quoi à ça? On fait quoi à ça? On s'en fout de ça. On n'en a rien à foutre, nous. Chaque tioté a mis la femme de chaque tioté. Mada, comment elle s'appelle? Mada tioté. Elle a mis ses beaux parents. Et puis nous, on n'a qu'à faire quoi à ça? On n'a qu'à faire quoi à ça? Oui, nous, on fait quoi à ça? On n'en a rien à foutre. C'est un problème familial. Un problème familial ne peut pas devenir un problème national. C'est devenu un problème national. Les blogueurs là, eux, ils ne voient pas ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Où sont-ils cassés la maison des gens? Ils n'en parlent pas. Les Apoutou là, ils n'en parlent pas. Ils n'ont pas cœur. Ils ne dénoncent pas ce qui se passe. Alors que ça, c'est leur rôle. C'est leur rôle de dire non, on ne doit pas casser les maisons des gens. Les Apoutou là, on ne l'a pas vu. Hein. Tout ce qui s'est passé, on ne l'a pas vu. Chaque tioté a fait ceci. Non, la femme de chaque tioté a fait ça. Non, la femme de chaque tioté. C'est ça qui vous intéresse. C'est un problème familial. God damn shit, c'est un problème familial. Ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est nos parents qui dorment à la belle étoile. Les gens sont en train de vendre les terrains. Les terrains des gens. Ouattara est en train de casser les maisons des gens. Les maisons que les gens ont achetées à leur argent. Ouattara casse les maisons. Il casse les maisons des gens. Ouattara casse les maisons des gens. C'est ça qui nous intéresse. Et puis les gens dorment à la belle étoile. Les magasins des gens sont cassés pour rendre la ville belle. Pour que la ville soit belle, on casse les maisons des gens. On casse les magasins des gens. On casse les bars des gens. On casse les maquis des gens. Des gens qui payent les impôts. Ils payent les impôts. Et puis on vient, on casse son maquis. Ils payent le loyer là où il est là. On casse le maquis. Parce que c'est le gouvernement qui a dit de casser. On casse. Parce que le gouvernement, parce que Ouattara a dit de casser. Donc il faut casser. Donc il faut casser. Le gouvernement a dit de casser, donc il faut casser. En Afrique, le gouvernement a toujours raison. Parce que la justice même est dans la main du gouvernement. La justice est dans la main de Ouattara.
Donc quand il dit de casser là, on casse. Ça va pas quelque part. Quand Ouattara dit de casser, on casse. Quand le gouvernement dit de casser, on casse. On s'en fout. Et puis il y a des Ivoiriens qui applaudissent. Ouais, on leur a donné l'argent, ils n'ont qu'à partir, ils ne veulent pas partir. Des imbéciles, nos quoi. Des bouffons. Oui, on leur a donné l'argent, ils ne veulent pas partir, ils n'ont qu'à partir. On casse maison de ton frère ivoirien, puis tu dis non, il n'a qu'à partir. Quand on lui donnait l'argent, tu étais là. Tu étais là quand on lui donnait l'argent. Quelqu'un qu'on a compensé, quelqu'un qu'on a donné l'argent, c'est lui qui a refusé de partir. Les moutons du RAGP là, vous avez vu qui est à Bobo là, vous avez vu quand on vous parle là, vous pensez qu'on est contre vous, ou bien vous avez vu ça arrivé à Bobo. À Bobo fait partie de la commune d'Abidjan, ça allait arriver là-bas un jour. À Bobo là, ça fait partie d'Abidjan. Donc quand on casse là, on va casser à Bobo aussi. Acceptez qu'on casse vos maisons. Acceptez qu'on casse vos business. Acceptez qu'on casse vos maisons. Quand on veut casser les maisons là, c'est vous on envoie. Les microbes là, c'est où on envoie les premiers pour aller piquer les gens. Acceptez qu'on casse votre truc, votre ferraille là, à Bobo là. Acceptez qu'on casse ça aussi. Acceptez. Ou bien, on casse pas pour vous aussi, à Bobo là, on casse pas. Quand on parle là, vous pensez qu'on est contre vous. Quand Ouattara casse maison des gens là, il dit pas maison là, il y a un gars du RAGP qui habite dedans. Le maquis là, c'est le maquis d'un gars du RAGP. L'hôtel là, c'est l'hôtel d'un gars du RAGP. La boulangerie qui est là-bas là, c'est la boulangerie d'un gars du RAGP. Il s'en fout de ça, il casse la maison de tout le monde. Venez, on va enlever ce Burkinabé là au pouvoir. Vous dites non, il est de Kong. Kong là, il va jamais là-bas. Vous avez une fois vu Alassane Ouattara aller à Kong, aller se reposer à Kong, aller en vacances à Kong. Quand il prend congé là, il s'en va à Mougin en France. Quand il veut se reposer là, il va à Mougin. Quand Babo veut se reposer là, il va à Mama. Il s'en va à Mama dans son village. Quand Bédier veut se reposer là, il s'en va à Daoukro. Prépresso, il s'en va là-bas. Dans son village, à Daoukro. Quand Oufou veut se reposer là, il va à Yamoussoukro. Quand Oufou veut se reposer, il va à Yamoussoukro. Acceptez qu'on casse vos trucs. Pourquoi vous faites par là-bas les policiers? Pourquoi? Bon, les gars, on est ensemble. Que Dieu vous protège. Il va pleuvoir. On est ensemble. Je vous ai montré. Il y a ville dans Londres. Il y a village dans Londres. Plutôt. Il y a village. Il y a des vieilles maisons à côté. À côté de la vieille maison, il y a une maison moderne. C'est comme ça qu'on fait une ville. Il y a maison moderne. Et puis il y a nouvelle maison. Il y a une maison moderne. Et puis il y a maison traditionnelle, il y a une vieille maison à côté, c'est comme ça Londres. C'est des villages partout. Partout où tu vois, c'est des villages. C'est des villages qui ont été modernisés. Et puis, ça fait de ça une ville. Quand on modernise, ça fait une ville. Et puis, on ajoute ça à Londres. Ce quartier-là, on est à 45 minutes de Londres. C'est comme Dabou. Ici, là, c'est comme Dabou, quand j'ai dit.
C'est un village qui a été ajouté à Londres. Ce quartier, cette ville. C'est un village qui a été ajouté à Londres. C'est quoi, tu vois, il y a des vieilles maisons partout. Ils n'ont pas cassé, ils ont modernisé. Pour faire pont là, ils n'ont pas cassé les maisons qui sont à côté. Ils ont mis le pont. Le village est resté. On est ensemble, que Dieu vous bénisse. Ensemble. Ah, Bobo est risqué, a risqué, a risqué. Ah, Bobo est risqué. Ah, Bobo est risqué. Pour Bakongo, le singe. Ah, Bobo est risqué. On est ensemble. Que Dieu vous bénisse.